Et rebonsoir à vous tous, donc ici à Montgérion pour les aventures sur le RPT, PTT, PRPTT, comme vous voulez, de Diablo 3, donc à la recherche du donjon perdu. Et donc, bon allez, j'avoue, je voulais pas, mais je l'ai quand même fait. Alors, je suis allé un petit peu fouiller, histoire de savoir quand même où se trouvent ces donjons. Vous avez pu ? Où se trouve ce donjon ? Et donc, déjà, on va retourner sur le jeu en partie privée, cette fois-ci. On va rester en tourment 8. On va rester en tourment 8. Et donc, je vais un petit peu farfouiller, un petit peu à gauche et à droite, les petites news, vite fait, là, en 5 minutes, le temps de la pause. Alors, c'est simple. Pour pouvoir faire les donjons, les donjons qui correspondent à votre set. Donc, il y a 24 sets. J'ai vu. Donc, 24 donjons qui correspondent spécifiquement à votre set. Donc, je pense qu'ils vous permettent de tester votre personnage et de voir justement jusqu'où vous êtes capable d'aller avec votre personnage. J'ai le micro, il y a le son, ça va, tout va bien. Ouf, des fois j'oublie. Et alors, ce qu'il en est ressorti, c'est que tout simplement, une fois que vous avez équipé votre personnage du set complet, bah vous allez avoir une petite indication, un petit indice sur où se trouve le donjon. Ben moi je veux bien, mais moi je veux bien, mais ah, il faut peut-être que je les regarde tous. Bon, attends, attendez, je sais même pas. Enfin. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Je l'avais pas déjà celui-là, ou je l'ai laissé? Je sais plus. Allez, on va se débarrasser de tout ça là. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce qu'on fait sauter? On fait sauter. Ah, Messerschmitt. 3003. Hein. Ouais, mais sans bague. Ouais, ouais. Oh. Ah, si, j'aurais peut-être dû. J'aurais dû la garder. Non, celle-là, on a dit on la garde. Ça, on a dit on la garde. Ça, c'est. Les gars. Ça, on va peut-être le garder. Ça. Pff, le truc de. Ah non. Force, plaie broyeuse, masse. Pff, allez. Pff, aïe. Couru du chasseur, j'ai déjà. Arc, pied à la fleur, perfor. Lanterne du. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celui-là. Sangle du fer infernal. Et la réflexion de Natalia. Hop, hop, hop. Allez, on se dépêche. On se dépêche parce que mine de rien, le temps passe à une vitesse phénoménale. Phénoménale. Allez, hop, 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 hop. Bon, allez, je vais mettre ça ici. On fera le tri plus tard. C'était pas là. C'était pas là. C'était là. Si. Là. 3. Là. 4. Là. 6. Ok. On les met ensemble. Toi, on dégage. Ah oui, il n'y en a plus qu'une seule. Allez. Les donjons. On a dit, on le fait. On va voir ça de plus près. Donc, le set du maraudeur. On va trouver le donjon qui correspond au set du maraudeur. Alors, le casque. Nous gagnons la force de l'un pour en faire notre puissance. Nous devenons le visage de la destruction. Chasseur va la marque. Je sais pas ce que vous en dites. Nous pouvons porter la main dans la résidence, sortir le champ, devenir quelque chose de plus humain. Un refait cauchemar des démons pour semer le chaos et la mort dans les rangs. Eschmet. Je retourne des atouts d'adversaire et dans la première étape, je peux baigner dans les ténèbres immondes de leur espèce et en sortir sans tâche car ma résidence me purifie. Kimorse. Aaron Gunn, vous allez apprendre à marcher. Les monstres, vous aurez disparu. Il y avait les signes de. Mais je comprends. Et j'ai le set complet, hein. Ah mon kiki. C'est affreux. C'est affreux. C'est affreux parce que je vois pas du tout. Non, c'est pas dans les paragons quand même. Non. Je pense qu'ils vont comprendre que effectivement
Je comprends pas là. Bon, j'ai pas envie de perdre mon temps 36 ans. Les urgences sont fixes, elles ne sont pas générées aléatoirement. À vous de choisir comment utiliser vos pouvoirs pour triompher de ces épreuves. Maîtriser ces donjons pour remporter des récompenses cosmétiques spécifiques à chaque ensemble. Les joueurs les plus acharnés pourront même obtenir des récompenses exclusives en maîtrisant tous les ensembles d'une classe ou mieux la totalité des 24 ensembles. Les donjons, réunis les cylindres et 6 pièces d'un ensemble de classe, équipez-vous-en pour recevoir un indice qui vous guidera jusqu'à un donjon ancien. Construire un que pour vous et votre ensemble. Est-ce que j'ai effacé quelque chose? Vous recevrez un indice. Ah, c'est peut-être là. Donne-moi un indice. Non, mais c'est... Non, franchement, c'est... Voilà, quoi. Je sais pas. Arrête de te gratter le nez, là. C'est pas possible, ça. Oui, mais non, mais ça, c'est les anciens, ça. Compétence, encore moins. Je vois pas où c'est que j'ai pu recevoir un indice qui me permet justement de me dire où se trouvent ces donjons. Nouveaux objets, l'interface, oui, ils ont amélioré un petit peu l'espace supplémentaire. Ah oui, il y a la possibilité aussi de réduire la... les chiffres. Oui, d'avoir 300 millions machin vide de chute et 300K. C'est... Hop. Ah, je sèche. Je comprends pas. Je comprends pas. J'ai horreur de faire un stream justement pour ne rien faire. Donc, Il me semble que quelqu'un avait dit que c'était en acte 5. On va reposer la question. C'est con, franchement, c'est... En plus, ils disent bien que c'est pas généré aléatoirement. Donc c'est bien un endroit spécifique, mais alors où en acte 5? Et là, il n'y a rien, il y a la mystique, Aurek, ils ont rien rajouté là-dessus. Non, c'est pas... Je sais pas, je comprends pas, là. Donc, le cube de canaille, canaillo. Donc, ça, on va garder. Le Kourou, bah, ça, toujours les... Les deux sentinelles de pute, je pourrais les remplacer par celui-là. Celui-là, il est extrêmement, extrêmement fort aussi. Alors, sinon, le reste, c'est... Blue, blue, blue. Même le leg du mort, j'ai pas le tir rapide. Yep. Il y a personne qui... Je sais pas, moi. Votre indice, là, les gars... Je veux bien essayer l'acte 5. Je vais me rendre à l'acte 5, mais... Sans conviction. Ah ouais, mais c'est... C'est affreux. Franchement, c'est affreux, ça. Personne n'en parle, c'est comme si c'était évident. Oui, c'est vrai, après les récompenses cosmétiques, ça fait un peu rigoler, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est... Voilà, c'est ce qui fait le jeu, c'est ce qui apporte une petite nouveauté, une petite touche, une petite particularité. C'est ça, justement, qui fait que, ben, on aime, des fois, avoir un set différent. C'est pas tout le monde qui a le même, justement. Et c'est ça qui fait, bah, des fois, on a envie de ça. Mais quelqu'un va me dire où se trouvent ces donjons, bordel! Où sont les donjons? Warum? Why? Je sais pas. Je ne trouve pas l'emplacement. Ha 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 ha!
Rien. Bon allez, on va se faire une petite faille supérieure, mais franchement là je suis dégoûté quoi. Je suis dégoûté parce que j'ai dû louper un épisode là, je sais pas. Ouais bah tout ça on verra plus tard, ça c'est pas grave, de toute façon en général c'est... Vache! Merci d'être venu mon ami. Il y a de nombreuses primes à chasser dans les environs. Mais c'est pas ça que je veux moi. C'est affreux. Je déteste ça, je déteste passer des soirées comme ça à chercher des trucs. J'aime bien découvrir en général, mais là, si c'est pour découvrir, ils disent pas plus de précision et là, ça me... Ça me bloque, quoi. Voilà, je comprends pas. On va essayer un autre personnage, peut-être. Tant pis, je vais essayer un autre personnage. Peut-être que j'ai loupé une information qui est tombée sur le set. Tant pis. Tant pis. Alors, mon petit barbare. Et voilà. Hop. Hop. Ah oui, mais j'ai pas le set complet. J'ai pas le set complet, là. Ah, une petite réponse. Non, je veux pas. Manoir de l'héroïque, dans la main tu as un espèce de pupitre. Tu vas avec un bonus d'ensemble de 6 actifs sur ton perso, tu allocheras une page de bouquin. Oui, merci. Mais oui, le manoir de l'héroïque. Le manoir de l'héroïque. Merci. Merci, merci, merci beaucoup pour l'astuce. Je ne trouvais. Oh, franchement là. Je ne trouvais pas. Dead. Allez, donc du coup, je vais rester parce que lui, il n'a pas le set complet. Du coup, on va dans le manoir. Dans la nouvelle L. Ok, ok, c'est bon. Non, j'ai des verrous, voyons. Avant, j'ai rien. C'est le bon. Hein. Parce que j'en ai deux. Ça, c'est le barbare. Hop. Hop. Le manoir de Léoric, c'est parti. On va faire un tour. Allez, 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 on se dépêche. Plus que 3 quarts d'heure, c'est bientôt fini. Même pas eu le temps de recharger les batteries. Ouf, on va y arriver. Allez, manoir de Léoric. Manoir de Léoric. Acte 1. Alors, je peux dire de bêtises, hein. C'est dans une crypte royale. Hein. Ouais, mais le pupitre, il est. Ah oui, il est en amont. Non, le manoir.
Je suis dans la cathédrale, je sais pas. Mais non, le manoir de Léoric, je sais pas. C'est une mauvaise idée. Ah oui, le nombre de victimes aussi qui augmente au fur et à mesure que vous allez... C'est là. Au fur et à mesure que vous allez tuer des monstres, ça va augmenter jusqu'à avoir un bonus de... Ah bah il arrive. En plus, il sait même plus où c'est. Alors, la nouvelle aile. Je cherche, hein, parce que... Alors là, c'est, si vous vous souvenez ici, hein, c'est les fameux... Ouais, ça bug, hein. Là. Ouais, donc c'est là... C'est ici. C'est sympa d'avoir des gens comme ça, merci beaucoup, hein, si jamais un jour tu retombes sur le stream et tu vois que t'es là. Alors, appartement royaux, donc c'est ça. Donc il faut que je... Déjà, il faut que je trouve le pupitre. Le pupitre qui comporte l'énigme. Et une fois que j'aurai trouvé l'énigme, à ce moment-là, je pourrais trouver... Les indices dans la nouvelle map du manoir de Léoric. Oui, donc vous voyez, 19 victimes, 20, voilà, au fur et à mesure, voilà, bonus d'expérience. Voilà, c'est une mauvaise idée. Bonus d'expérience au fur et à mesure que vous allez tuer les monstres dans le même temps à partir, enfin, plus rapidement. Par le chemin de Lachman, il me faut encore plus de haine. Mon roi bien-aimé a dépendu tout son temps de pensée. Il y a tué une rage. Nous a connu ces dangers. Maudissez nos trahisons. À mon roi, plus de haine. J'ai dû le passer au fil de la paix. Non. Alors là, ça va être super là, le nombre de brutales. J'arrive à brutal. Vite, les ennemis. Ah non. Bonus d'expérience 2,5 fois. Dommage. Une petite bibliothèque. Oh, c'était juste une pièce. On va tout fouiller. On m'a dit traiter sur les donjons d'ensemble, page 56. Vous avez déjà trouvé l'indice à l'incarnation du maraudeur. Super. Je viens de trouver l'indice. L'indice qui me dit... Le pont et la croisée des chemins. Je suis tombé sur une baliste infernale. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. L'emplacement parfait pour ce portail. Mais c'est quoi ça? Le pont et la croisée des chemins. Donc je vais déjà finir le... Je vais finir le... Le donjon, hein. La nouvelle aile. J'adore les... La lave. Où est-ce qu'il y a un endroit où il y a de la lave? Non. Ça peut pas être... Ça... Est-ce que ça peut être... Si ça peut être... Ça peut être où est tombé Tyrael. Ouais, c'est même pas qu'il y avait de la lave là-bas. Ah mon dieu! Oui, non, je vais finir toute la... Ah oui, là, faites-vous plaisir, hein. Les objets, si vous voyez les objets. Hop, attends. Très bien fait, ça. Très bien fait, là, je t'avoue que... Bizarrement, là... On se retrouve dehors mais sans rien là. C'est chelou. Ah c'est louche, hein. Oui, 8 objets, 9 objets. Hop, 13 objets. Bonus de vitesse sur les objets. On s'en souvient. Allez, on ressort de là, il n'y a plus rien à explorer. Étroitement, bizarrement et sympathiquement, ça nous fait penser au siège du roi Lich. Non, c'est pas le roi Lich. C'est pas le roi, c'est du roi théorique. Allez, on va finir cette map. Le nouvel endroit. Et on va s'attaquer à ce donjon là.
pas être évident, ça va pas être évident cette histoire. Mais n'empêche, c'est tordu hein, votre histoire, vous auriez pu simplement, enfin je sais pas, est-ce que, moi je aucun indice qui m'a permis de trouver où se trouve justement le... Ouais, j'ai pas trop cherché non plus, on a... J'ai pas trop cherché non plus c'est pas possible. Des informations Pourquoi on a ascendu, espalier attendu. Bon allez, c'est fini. Voilà. On a fini d'explorer la nouvelle partie. Mais alors maintenant, alors pour trouver, pour savoir où se trouve. Pour savoir où se trouve le reste. Ah, ça bug à nouveau là, je déteste ça, c'est pas possible ça. J'ai un PC qui tourne là et là je comprends pas. Je sais que toi tu veux. Ah, un petit consommable. D'autant plus qu'ils disent que les donjons ne sont pas aléatoires. Les salles de l'agonie. Alors, on la refait. Oh, c'est génial ça. Oh, c'est génial, c'est la deuxième. Ça, c'est génial ça, merci. Non, faut la lire. Le pont et la croisée des chemins. Je suis tombé sur une baliste infernale. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. L'emplacement parfait pour ce portail. Le pont et la croisée des chemins. Je suis tombé sur une baliste infernale. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. Je dirais bien de faire... Si le mal ne se cache pas. Ils disent bien qu'il faut se rapprocher. Le petit bonhomme, il m'a dit de se rapprocher. Ouais, j'aime bien ça. Hop, allez. C'est une mauvaise idée. Ah, ça va être tendu, hein. Je crois que ça va être tendu là. On va pas pouvoir trouver ce donjon. De toute façon, n'hésitez, vous inquiétez pas. J'hésiterai pas à faire une vidéo dès que j'ai trouvé ce donjon. C'est impossible. Je vais exprès bloquer le personnage au même endroit pour être sûr de la croiser les chemins au-dessus de la lave. Je suis sûr que je vais tomber dessus, mais vraiment par hasard. Non, ça n'ira pas. Si, si, je te dis. L'enfer t'attend. Où c'est que ça peut être? Alors la lave, bah on y est, hein, la lave. Hein, c'est, ça peut être la croisée des chemins. Je pose la question aussi. Je sais pas où c'est que ça peut être. En allant chez le boucher. Non, ça n'ira pas. En allant chez le boucher. Peut-être des chances que ça se passe par là. Plus la peur. 25% de vitesse d'attaque et là on va faire de la boucherie. Alors les petits élites, hop, voilà, on va me donner un petit bonus là, histoire que je puisse faire encore plus de dégâts. Mais alors où est-ce que j'ai ce. Je vais croiser les chemins. De l'agonie, ouais, mais là je vais arriver chez le boucher, la croisée des chemins. C'est même pas dit que ce soit ça. C'est. Aïe. Au-dessus de la lave. Non, ça n'ira pas. Au-dessus de la lave.
bug, mais c'est pas possible ça, mais qu'est-ce qui se passe ce soir là? J'avais jamais ce genre de problème là avant. J'ai pas envie d'aller chez le boucher non plus. Alors vous voyez hein, au fur et à mesure là les kills. Hop. Là maintenant je commence à être dominateur, ensuite ça va devenir les plutôt. Écrasant. Allez, tac, 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 tiens, continue là. Allez, bûche-toi. Ah non, trop tard. Ah oui, faut être rapide, hein. C'est vraiment dans les deux secondes. Dans les deux secondes, il faut s'attarder à. Il faut pas s'attarder à tuer les. Pas possible. Tu ne t'en relèveras pas. Bon allez, on va sortir, et haute terre, avec de la chance, le pont, voilà. Ouais mais c'est pas au-dessus des laves, c'est là que je pensais justement, et donc au croisement du chemin. Pas possible. Aïe 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 aïe, je sais pas du tout c'est qu'ils m'ont caché ce truc là, mais c'est bien, ça permet justement de ne pas finir, ben voilà, de pas. On va chercher. Mais c'est pas au-dessus de la lave. Alors où est-ce qu'il y a un pont? Je suis tombé sur une baliste infernale, pont et la croisée des chemins. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. Mais à une vitesse phénoménale, et je sens que je vais faire un chou-blanc. Je vais faire chou-blanc sur ce coup là. Bon, vous me direz, il n'y a pas eu beaucoup de spectateurs ce soir. Bon, c'est un petit peu normal hein, on découvre le jeu, on découvre les lives, on se fait connaître, c'est pas grave, c'est comme ça. Ça ira, c'est le début. C'est le début, donc je pense qu'effectivement, une fois qu'on aura plus de monde, une fois qu'on aura un petit peu plus de monde, on aura un petit peu plus d'aide, forcément. Merci à la personne quand même qui est passée. Hein. C'est super, je me rappelle même plus de son prénom, c'est génial, le gars, franchement. Il faudra un petit peu t'intéresser à ce qui se passe de l'autre côté de ton stream, mon coco. Allez! Il me faut encore plus de haine. Oui, il te faut de la haine. On va continuer là, hein, tout au long de ce. J'essaie de vraiment. Croiser des chemins. Et là, c'est pas là, c'est un pont. Un pont. Mais pourquoi j'ai le nez qui me gratte comme ça? Ça, c'est pas possible. Non, tu vas pas m'avoir mon coco. 70 victimes, ah là là, génial, ça continue. Une mauvaise idée. Génial. Allez, on lâche pas le morceau là. Allez. Ah merde, 84. D'affilée. Ah c'est chaud quand même, hein. C'est tendu, hein. Il faut vraiment qu'il y ait des... Ouais, mais là on fait plusieurs choses en même temps, on essaye d'avoir le plus d'ennemis tués en un seul coup. Pas possible. En sachant que je suis à la recherche du donjon. Ouh là là, j'aime pas ça. Ouais, parce que là, c'est là quand ils explosent. Ah, y'a un élite. Une mauvaise idée.
Allez, 80. Dommage. J'aurais pas dû m'attaquer au. Allez, on continue sur la lancée. Je pense que là on va arriver. On va arriver. On arrive chez le boucher. Et on a toujours pas trouvé. Ce donjon. Donc il va falloir. Une mauvaise idée. Voilà, tiens. Hop. Hop, ça c'est fait. Hey, vas-y, je pourrais mourir là. Faut que je tue pendant qu'il est étourdi, non. Bon allez. J'ai pas trouvé. Sous le pont de la lave, une corniche. La vache quoi, merde, allez. Je vais quand même pas me refaire toute la campagne exprès pour trouver Putain. Ah, y a pas de lave là. Là, c'est l'emplacement de. Tyrael, où c'est qu'il est tombé. Y'a rien. Putain. Merde. Aranea, je me souviens plus. En plus, c'était le truc de tuer le boucher. Ouais, c'est super ça. Les salles de l'agonie, non. Je viens de toutes les faire. La cathédrale. Je me souviens plus. Cave de la chapelle de Warfam. Non. Acte 4. Ah, je crois que ça va être perdu là. On va essayer de. D'y aller au pif. Ah, attendez voir. Alors, attendez voir, parce que là, ouais, il faut que je retourne aussi. Je dois rentrer. Je suis tombé sur une baliste infernale. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. Ah, ça picote, hein. Ça picote. Ça picote. J'adore ça. J'adore ça. Qu'est-ce qu'il me donne? Voilà, ça c'est le genre de choses. Voilà, c'est. Yeah. J'y fais là encore toi. Là, je vais le ranger ici. Acte 1, non. Je vous en supplie. Acte 2. Ces villageois vont me faire mourir. Non, il n'y a pas vraiment de. Mais je crois que je me focalise sur la lave, mais. Ah, oui, vas-y, refais-moi là. Le pont et la croix.
croisé des chemins. Je suis tombé sur une baliste à fin. J'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. Le pont et la croisée des chemins. Allez, il nous reste 20 petites minutes. 20 petites minutes, on va essayer de trouver un coffre maudit. D'accord. Pas possible. Jamais cru pouvoir le contempler. Allez, où c'est qu'il est? Où c'est qu'il est? Je t'ai entendu. J'arrivais trop tard. Je t'ai entendu, petit. Viens. T'es où? T'es où? Là il est. Non. Allez, hop. Wow. Encore les gens là? Oh. Pas bien ou quoi? Vous savez pas à qui vous avez affaire là? C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est caché là en dessous là? J'ai tué un gobelin et puis il y en a 150 000 qui sont cachés là. Bon. On l'a refait. Là. Pont et la croisée des chemins. Je suis où là? Champ de bataille. Champ de bataille. Baliste infernale, j'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. Allez. On va essayer. Ici. J'ai trouvé une baliste. Non, c'est pas ça. Ça c'est génial ça. Paye ton bug, allez hop. Les petits gars là, ça bug un petit peu hein. Bon allez, on se laisse pas abattre. On se laisse pas abattre hein. On va y arriver, on voit de la lave. On avait le pont. Le problème c'est qu'après. Mais oui mais les balistes. Les balistes démoniaques. Mais oui les balistes démoniaques. Oh là 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 là. Les trois balistes, il y a trois balistes ici. Bah j'étais bien parti alors hein. Ah, j'étais bien parti parce qu'effectivement les balistes, c'est une partie du quand vous faites la campagne. Quand vous faites la campagne, c'est les trois balistes démoniaques qu'il faut tuer et il faut descendre les trois balistes démoniaques. Où c'est qu'il est ici, ici. Une mauvaise idée. Il faut tuer les trois balistes. Là, je pense que j'ai trouvé. On va y arriver. Alors, où c'est qu'elle est cette baliste démoniaque? J'ai touché là. Là voilà, la baliste démoniaque. Alors, j'ai la baliste démoniaque. C'est pas possible. Non. Je veux pas mourir. Cette partie, bah non, je peux pas dire. Non, je peux pas baisser. J'ai pas envie de baisser. Il fait mal, mais il va sentir passer, c'est tout, voilà.
Regarde, il est encore en vie. Ah, c'est même pas lui qui m'a tué en plus, ah bah bravo. Alors, la balise démoniaque. Je viens de la tuer ici. Alors, le point, je suis tombé sur une balise sapale. J'ai avancé le contrairement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. On y arrive. On a l'impression d'être à la chasse du trésor là. Ouais. Allez, on continue tout droit. On continue tout droit jusqu'à la croisée des chemins. J'ai trouvé une corniche avec la lave. La corniche. Avec la lave au-dessus. Faites attention! Ça fait des heures qu'il tourne. Oui, je sais. De la lave. Donc il y en a encore une balise là. Voilà, la balise de démoniaque. Il y en a encore une ici. Une mauvaise idée. Ah, on y arrive là. Je suis content parce que je m'étonne moi-même. Donc une corniche. Oh là là, mais c'est pas possible ça. Là. Allez. On va trouver. Non. Allez, on a le temps, on est dans les temps. On est dans les temps, on y arrive. Super, on va découvrir la... Alors, encore une fois, j'ai avancé jusqu'au croisement et trouvé une corniche au-dessus de la lave. C'est une corniche, non? Mais non, mais c'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. Mais non, mais... J'y suis, là. C'est pas possible, ça, j'y suis. Les balistes infernales. C'est là. Quoi? Il n'y a pas de chute, si. Merde. Ah, il va m'obliger à faire toute la partie. C'est une mauvaise idée. Putain. Une corniche au-dessus de la lave. Putain. Ça va devenir fou. Ah. Caverne de givre, oui, ça là je la connais. C'est la fameuse où vous goûtez la. L'arc-en-ciel, la solution arc-en-ciel, oh je sais plus, truc arc-en-ciel. Une corniche au-dessus de la lave. Et là j'arrive à la dernière baliste. C'est la dernière baliste, hein, il y en a trois. Je sais que j'y suis parce que les balistes infernales, c'est bien ça, baliste infernale. Le pont et la croisée des chemins, je suis tombé sur une baliste infernale. Garde de donjon. Quoi, il faut... Prenez ça. J'en aurais plus besoin. Merde, je me suis trompé de bouton à nouveau. J'ai hâte d'en affronter d'autres comme ce monstre. Qu'est-ce qu'il me donne lui? Dis donc, avec ça je vais aller loin. Bon, là j'ai fait toute la map en coco. À moins que ce soit dans l'autre sens. Non, ça ira pas. Ah, c'est pas possible, hein. C'est rageant. C'est rageant de savoir qu'on est, on est là, on y est. Non, je pense pas que c'est là-dedans. Je
à la croisée des chemins. Ah, mais oui, la corniche du... Oh, putain. C'est pas possible. Le chien de guerre, si je me trompe plus, je sais pas ce qu'il y a, mais oui... Et oui, ben voilà. Yes! Wouh! On l'a retrouvé! Magnifique! Magnifique! Donjon du maraudeur. Validez au moins l'objectif principal sans subir de dégâts qui devraient vous tuer pour obtenir le palier de base. Validez tous les objectifs dans le temps imparti sans subir de dégâts qui devraient vous tuer pour obtenir le palier de maîtrise. Quittez le donjon avant la fin de... Avant la fin, le réinitialise. Tu comprends ce que tu dis? Perdre ce nouveau poids de vie ne vous tue pas, mais fait échouer le donjon. Ces donjons ont une difficulté fixe. C'est parti, on va rentrer dedans. À la recherche du donjon perdu, on l'a retrouvé. Le donjon du maraudeur. Magnifique. Magnifique, ça vaut, j'ai plus ça. 116 montres. Maintenez au 3 citadelles pendant 4 minutes. Terminez le donjon, suivez les gars de mêlée. Allez. Ah, c'est parti, ça va. Je pense que... Vos 3 sentinelles sont actives. Hop, hop. Une mauvaise idée. Allez, on se dépêche, mine de rien. Pas possible. Comment ça, pas possible? Comment ça pas possible? Comment ça pas possible? Oh là là, un gros bonhomme. Je faiblis. Hey! Quoi? je peux ressortir ou... Oh merde! Mais l'autre il m'a... Et on peut pas le refaire? Ah si, quand même. Voilà. Merde. Ah mais il m'a complètement... Elle m'a complètement fumé, le gars. Donc, si j'ai bien compris... C'est une mauvaise idée. Il va falloir y aller avec... Alors en plus, si je vois bien, les boss doivent être au même endroit. Je vais t'avancer tout doucement, mon petit gars. Allez, faut qu'on le finisse là. Faut qu'on finisse le donjon. Où c'est qu'il est là? Il a disparu. Ils ont Il a disparu, le petit gros là. Il est où, le petit gros là? Vas-y, reviens là. Reviens. Quand même parti. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ah oui, là voilà. Hop. Il est mort. Je l'ai tué. Je sais pas comment. 40 monstres. Il faut que j'arrive à tuer 40 monstres dans le temps imparti. Une mauvaise idée. Ok. Sans subir de dégâts de mêlée. Allez. Hop, putain. Il fait mal. Non, ça n'ira pas. Il est mort. Il est pas si méchant. Mais je sais pas ce qu'il m'a envoyé comme cochonnerie avant. Mais wouhou! Eh oh! Y'a quelqu'un? Pas possible. Allez. Ouais, je crois que là ça va pas le faire là. Allez, 21 monstres, 2 minutes. Allez.
perdu. Oh non, je me suis approché trop près. Je me suis approché trop près. Mais oui, des dégâts de mêlée. Mais non, mais... Ok, ok, donc il me reste quand même un bonus. 4 monstres, allez. C'est une mauvaise idée. Oh non. Bon, on a fini le palier de base. Donc 3 sentinelles actives pendant 4 minutes, ça c'est pas compliqué, parce que j'en ai déjà 5 de bonus. J'ai pas pu terminer le donjon, j'ai tué 116 montres, j'ai fini dans les temps. Mais j'ai pas fini sans subir de dégâts de mêlée. Valider tous les objectifs avant la fin du temps imparti. Bah si, ça j'aurais réussi, mais c'est juste que le donjon sans subir de dégâts de mêlée. C'est pas grave, j'ai trouvé le donjon. J'ai trouvé le donjon, on le refera, dans un prochain live. Hein. Le prochain live qui est jeudi. Donc je pense que jeudi on va faire un... Do you understand what I mean? On va se faire un Battlefront. Battlefront qui sort jeudi. On va craquer, allez, on va craquer. On va se le faire. On va se faire un petit donjon. Voilà. Ça c'est nouveau ça. Puissance de l'ombre déclenche écran de fumée. Aile de Liana, on va les garder. Cherche-vis, supprime le coup de canalisation de tir rapide. J'utilise pas les tirs rapides. T'es gentil mais... Non. Crelm, je crois que j'en ai déjà un à la Crelm. Crash, on s'en fout. Fort encore, on s'en fout. Enfin, voilà, on s'en fout. Nathalie, on s'en fout. Ça, on s'en fout encore moins. Oh, ça encore plus. Ça aussi. Alors ça, les œils, les ormes, machin, les trucs, les trous, les crutes, les... Ok, donc tout ça on garde. Et on n'a pas reçu de... J'ai pas reçu de... D'amélioration, hein, de... On va ranger ça plus tard. Alors ça, on peut le vendre, hein. Ouais, il faut faire gaffe. Donc je vais le mettre de côté. Je vais pas le mettre là. Je vais le mettre là. Ça, je suis sûr de pas le vendre parce que bon, je sais maintenant où il est. On s'en fout. Je sais où il est. Et ça, c'est dommage. On a quoi ? 7 minutes. On a 7 minutes. On fait une petite faille supérieure vite fait. Une petite faille supérieure juste pour avoir le hop niveau 8 renforcé. C'est parti. Juste histoire de terminer, d'arriver un petit paragon de plus pour finir la soirée en beauté. Allez. Ici. Je vais vous montrer ce que c'est que le maraudeur. Allez, tiens. Non, là, c'est clair que c'est bien. C'est bien fait, je dirais bon. Pas si tu viens des dégâts de mêlée, ben voilà, il faut faire en sorte. C'est dommage, hein, parce que j'avais presque fini. Il s'est vraiment rapproché trop près, ou c'est plutôt moi qui me suis rapproché trop près. Donc voilà. Malheureusement, c'est parti en cacahuète. C'est dommage. C'est dommage, mais j'aime bien le concept, c'est sympa. Ça permet justement de. Ben, en étant chasseur des démons. On n'est pas du cac, hein, on n'est pas donc on fait pas de corps à corps, on fait du distant. Non, ça n'ira d'accord, pas. Le petit bug qui va bien, donc vous voyez, il est encore en vie alors que je viens de le tuer. Donc on fait que du distant et c'est vrai que justement le chasseur de démons est très fort justement dans les distants, mais alors au niveau de la mêlée là c'est. Oh là là, il y a du monde là. Oh là là là, il y a du monde. Oui, et voilà le petit niveau de parion. Et on se casse, salut. Non, on va le finir quand même. Allez, ciao, à la prochaine. Donc merci d'avoir pas suivi ce live. C'est vraiment sympa. On se retrouvera de toute façon bientôt. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi, ça c'est sûr. On va se retrouver encore un petit peu. On a besoin de vivre des petites aventures ensemble. La vitesse. Ouais, allez. Allez, on va finir tout ça dans la joie et l'horreur. Hop, allez, on se dépêche. Allez, je crois que je tourne en rond.
comme une... Je ne dirai pas le mot. Je ne peux pas trouver les vidéos parce que elles sont directement sur le site de Twitch. Donc j'aurais pas le temps de pouvoir faire quelque chose là. Alors c'est bien d'avoir de la vitesse si on tourne en rond, mon gars. Donc on va pas dire des choses méchantes. J'ai pas mis de protection moins 18, moins 16. Et il faut faire attention à ce que tu dis. Attention. Quand je pense que je, avec le même personnage, j'arrive même pas à faire du T6, du T7, pardon. Vous l'avez vu dans la vidéo, hein. T7, pardon, T8. T8, j'étais complètement... Hop. Regarde où tu vas, là. Arrête de discuter quand tu parles et essaie de te concentrer sur ton jeu. Bon, je disais donc que j'arrivais à peine à faire du T8, hein, parce que j'étais complètement... Encore un élite, allez, super, un élite. 1% de bonus, on en profite, on se dépêche avant les 60 secondes parce que je vous rappelle que les 60 secondes vont très vite. Même si la fin je vais la liquider, mais c'est quoi ça? Canalisation. Allez hop. De toute façon on va finir. Hop. Tiens. Là il faudrait que je suis quitté des élites. Oh, encore. Ouais, mine de rien, les chasseurs des démons ils s'en sortent très bien. Hein. C'est quoi ça, protection? Je vais la prendre. Mais encore. Ouais, j'ai encore. Quelques secondes, allez. On va tenir jusqu'à l'élite là. On va voir les 20 secondes. Hop là, c'est fini. Allez. Non, le déclenche pas. Ah, j'ai fait le con. Mais oui, mon gars. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave, il y a quand même. Allez, Pierre qui chante. Allez. Ah, singing rock. Allez, c'est fait. Donc j'ai eu mon paragon. Mon petit Urshi. Qu'est-ce qu'on avait fait avec Urshi? Si, réfléchis. Qu'est-ce qu'on avait fait avec Urshi? Vite. Bah vous suivez pas. Là. Non. Je sais plus, l'expérience. J'avais fait l'expérience. C'est quoi 10 000, 1650. On se termine là pour le live ce soir. Donc on a retrouvé le donjon. Youpi, super, j'ai quand même réussi à le trouver. Vous voyez comme quoi, des fois il faut quand même pas tout de suite chercher les petits trucs comme ça, vite fait, allez on se dépêche et tout. Ça fait du bien de des fois découvrir les jeux comme ça, et c'est ça ce que je fais souvent. Merci d'avoir suivi ce live, donc on se retrouve jeudi, si tout va bien. Il ne doit pas y avoir de problème, hein. Battlefront. Allez. Mais oui, on sera là. On va peut-être pas... Hein, on va se calmer là, doucement. Deux jours. Merci à vous tous. À bientôt. Et à la prochaine. Allez, c'est super que j'aime dans ça. Ciao.